C'est une partie de mon travail que j'aime particulièrement car elle me rappelle le milieu de la recherche d'où je viens et ça me permet de vraiment m'impliquer dans le projet en utilisant mes connaissances. Salut tout le monde, je suis Émilie et je travaille chez Quality Assistance comme scientist. Je vais vous montrer en quoi consiste mon travail au quotidien. Mais d'abord, je voulais vous expliquer un peu mon parcours scolaire. Ça peut peut-être vous donner des idées pour la suite. Après mes études secondaires, j'ai choisi de suivre un bachelier et puis un master en chimie à l'Université de Mons. À la fin de mon master, j'ai décidé de poursuivre un doctorat en chimie car j'avais un grand intérêt pour le milieu de la recherche. En décembre 2019, j'ai été engagée à Quality Assistance et j'ai rejoint une équipe de laboratoire spécialisée en chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Allez, je t'explique tout ça de manière simple. Quality Assistance est une société au service de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes des experts en sciences analytiques du médicament. Nous accompagnons nos clients, c'est-à-dire les sociétés pharmaceutiques qui développent de nouveaux médicaments pour toutes les mesures, les analyses de laboratoire qui seront nécessaires pour évaluer leur qualité, leur sécurité et leur efficacité. Nous analysons pour nos clients le médicament en tant que tel ou des composés du médicament, mais aussi des échantillons qui proviennent des études qu'ils réalisent sur les animaux ou sur l'homme. On appelle cela les études non cliniques et cliniques. S'il s'agit du médicament, nous allons par exemple analyser sa composition ou sa pureté afin qu'il puisse être administré à des patients par la suite. Avant de commencer mon analyse, je reçois un plan de travail de ma chef d'équipe. Il s'agit d'un document indispensable qui détaille toutes les informations nécessaires, comme la méthode de travail à suivre, le numéro de l'échantillon, les différentes étapes à réaliser, etc. Pour réaliser ces analyses, nous utilisons des équipements de laboratoire très performants. Voici l'un d'entre eux. Il s'agit d'un appareil de chromatographie liquide couplé à un spectromètre de masse. Pour faire simple, la chromatographie liquide, c'est une technique qui nous permet de séparer les différents composants du médicament. La spectrométrie de masse, quant à elle, permet de mesurer la masse moléculaire des différents composants. Avec cette technique, je peux identifier les différents composants du médicament et mesurer leur quantité pour ainsi évaluer sa qualité. Je vais donc récolter, reporter et analyser tous ces résultats et préparer mon rapport au client. Parfois, la méthode pour analyser le médicament n'existe pas encore. Dans ce cas-là, je développe moi-même une méthode d'analyse. C'est une partie de mon travail que j'aime particulièrement car elle me rappelle le milieu de la recherche d'où je viens et ça me permet de vraiment m'impliquer dans le projet en utilisant mes connaissances. Voilà, vous avez pu voir en quelques minutes en quoi consiste mon travail. Grâce à mon métier, j'ai l'opportunité d'apporter ma contribution au milieu de la recherche pharmaceutique et d'aider à ma façon des patients qui sont en attente d'un traitement.